Ah non, ma belle, pas le tombeur. L'âme du village. Je suis le village. Je vous trouvais un peu rustique, en effet. Et d'où elle sort, celle-là? D'Amérique, mon brave. Tout le monde ici t'a accueilli comme étant un super héros. Mais sur ce bateau, ça marche pas. Non, non. Sur ce bateau, c'est ta femme qui a les honneurs. Le supermarché géant plus est actuellement la proie des flammes. À l'intérieur, énormément de monde. Faut pas m'en vouloir, mais c'est mieux comme ça. Hein? Bon, dis donc, t'as laissé l'eau là-dedans? Non, 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 j'ai mis un cadavre. C'est que tôt ou tard, il fera un faux pas. Le shérif dit que ça se passe toujours comme ça. C'est un ancien taulard. Et dès qu'il fera la moindre bêtise, alors il y coupera pas. Moi, je voudrais le tuer. Ça vous dirait un morceau de chocolat? Thomas, tu veux? Je suis allergique. Au chocolat? Il est allergique absolument à tout. Au chocolat? Absolument à tout. Lundi, Universal Soldier. Mardi, le raisin d'or. Mercredi, Fire the Wedding. Jeudi, drôle d'oiseau. Vendredi, football CS Bruges serein. Samedi, les nerfs à vif. Et dimanche, My Girl. Bonne semaine sur Canal+. Depuis le début de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, 600 000 personnes, essentiellement des musulmans de Bosnie, se sont réfugiées en Croatie. Parmi eux, des milliers d'enfants. Dans les camps de transit ou à Zagreb, les caméras de 24 heures ont suivi les médecins, les psychologues ou les instituteurs qui tentent de leur faire oublier cette guerre. 24 heures à Zagreb sur Canal+. Nous sommes en train de condamner la Terre à une mort certaine. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il nous faut agir maintenant si nous voulons assurer l'avenir de nos enfants et si nous voulons rester en vie. Tu as vu Charlie, il est au 7e ciel. Ouais, tout comme ta mère. Nous deux, on est seulement là pour le décor. Je n'arrive pas à croire que je vais bientôt avoir un petit-fils. Je vous aime. On t'aime aussi. Allô? Comment? Lieutenant Gradis, j'appartiens à la police. J'enquête sur l'accident de votre jambe. Il est gravement blessé, lieutenant. Calme-toi, il n'est pas mort. Je t'en prie, ma petite fille. Il n'est pas mort, c'est pas vrai. Malheureusement, mon gendre Charlie avait effectivement des traces de cocaïne dans le sang au moment de l'accident. Allez-y, poussez. Poussez de toutes vos forces. Ça y est, il est sorti. Et si la famille parfaite n'était qu'une illusion? Joan Woodward dans Angle mort. Vous l'avez vu, ce bébé? Dites-moi franchement si la drogue aurait pu l'affecter. C'est possible. Tu n'aurais pas dû te droguer. Mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je le fais depuis toujours. C'est le cinéma.